C'est la grande finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc, champion en titre, affronte le Cameroun, pays hôte de la compétition. Des milliers de spectateurs se sont réunis au centre de Bépanda, à Douala, afin d'assister au sacre de celui qui représentera le continent africain aux prochains Jeux paralympiques de Rio de Janeiro l'été prochain. Le Cameroun débute avec Yobia, Do, Sama, Bakunga et Sandou. Le Maroc débute avec Bara, El Azouzi, Atab, Berka et Driouf. Atab, on attaque côté gauche. Part vers la défense adverse, il est bousculé. Et tente une frappe trop à gauche. Atab, flanc gauche, il accélère, laissé seul par les joueurs camerounais. Il frappe dans les bras de Niobia. El Azouzi surgit des 13 mètres pour s'emparer de la balle, laissé face au gardien, il frappe trop à droite. Sangou côté gauche, qui sauve la balle d'une sortie, se replace et tente une frappe détournée par la défense marocaine. La balle roule vers Atab, qui se remet dans le sens du but. Il est seul, il frappe et l'arrêt de Niobia. Coup franc dont va se charger Atab sur la ligne des 6 mètres. Il frappe, et le but! Le numéro 9 marocain trompe le portier camerounais et vient ouvrir le score dans ce match. Le Maroc prend un avantage mérité tant l'équipe locale peine à exister dans ce match. Malgré la joie, Atab vient demander à ses coéquipiers de rester concentrés, un signe fort dans cette finale. Double pénalité pour Atab, et puissante frappe au-dessus de la lucarne. Engagement, Sangou progresse dans l'axe et tente une frappe lointaine, trop faible pour inquiéter Samir Bara, le portier marocain. Coup franc pour le Maroc, Atab qui tire et bel arrêt de Niobia. El Azouzi en défense contre la balle, Atab récupère, passe Bakunga, il accélère, seul face à Niobia et l'arrêt du bout du pied du portier camerounais. Atab côté gauche qui tente de frapper. Profite d'un contre favorable, récupère la balle aux 8 mètres, se réaxe, et il dévisse sa frappe. Samir Bara, belle relance sur Atab aux 15 mètres dans l'axe. Atab part à droite, crochet à gauche, il tire, et le but! Petit intérieur pied gauche qui vient tromper le gardien, 2 à 0 pour le Maroc dans cette finale. Sama, côté droit. Magnifique grand pont du talon pour passer Daoudi. Il accélère le long de la barrière droite. Et frappe de loin, sans précision. Double pénalité. Atab tire trop à gauche. Sama, côté gauche, pousse le ballon dans la défense marocaine. Petit cafouillage qui profite à Doan Deme, qui frappe trop à droite. À 0, le Maroc remporte son second championnat d'Afrique des Nations et s'envolera à Rio. Solide prestation des hommes de Driss El Mountari, le coach marocain qui a su canaliser la puissance de son équipe tout au long de la compétition et imprimer des schémas tactiques intéressants. Atab, le numéro 9 marocain, termine meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, tandis que Yobia remporte le trophée du meilleur gardien. Le podium se compose donc du Mali, 3e après une superbe première compétition internationale, du Cameroun et du Maroc. Les joueurs marocains ont fait un sans faute et confirment leur rôle de favoris malgré une frayeur en demi-finale. Bravo à nos champions !